Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Alors aujourd'hui, par ce beau temps les amis, on va faire la découverte des Soundpit T2, la dernière innovation de chez Soundpit. Ce sont donc des écouteurs ANC, dernier cri, pour un peu plus de 55€. Et en plus, j'ai réussi à vous dénicher un code. Ce code sera donc dans la description, les Soundpit T2. Comme promis, je vais donc vous les offrir. Mais pour ce mois-ci, on va donc passer au côté membre. Et ces écouteurs vont être gagnés par un membre sans problème de la chaîne. Alors surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Vision High Tech, n'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et venez rejoindre la chaîne comme fan Vision High Tech. Ça permet de m'encourager, ça permet de vous faire encore plus de cadeaux. Pour 4,99€, je vous offre des cadeaux à plus de 50€. Donc c'est parti pour le déballage des Soundpit T2, des écouteurs intra-auriculaires pour le sport, tactiles, compatibles iOS Android. Et pour l'instant, place à l'intro. Vision High Tech. Rejoignez cette chaîne. On va donc passer au déballage des Soundpit T2, donc des écouteurs intra-auriculaires ANC. Vous allez avoir un son magnifique équipé d'un petit boîtier. On est sur une boîte rectangulaire. On va tout de suite découvrir l'intégralité du package. On arrive sur une petite boîte qui s'ouvre par devant. À l'intérieur, comme d'habitude, on va retrouver les petites cartes pour la garantie. Une petite mousse et on va retrouver notre boîtier de rechargement. À l'arrière, on retrouvera le port de rechargement qui est un port de type USB-C. À l'intérieur, on va retrouver nos écouteurs. Ils sont donc très jolis. Par devant, lorsqu'on va utiliser le boîtier, on va retrouver des petites LED pour le niveau de batterie. On est donc sur les derniers Soundpit de la marque. On va les sortir du boîtier. Voici donc les Soundpit, ces écouteurs donc tactiles, compatibles iOS bien sûr, Android, ANC. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver un petit carton avec d'autres petits embouts, avec deux paires d'embouts supplémentaires, ça c'est vraiment cool, et le câble de rechargement qui sera donc de type USB-C vers USB-A. Voilà donc tout ce qu'on va trouver dans la boîte. Passons donc au test des écouteurs à l'appairage. Alors ces écouteurs ont un son profond au niveau des basses, je peux vous dire qu'ils envoient. D'ailleurs, les derniers Soundpit que j'avais fait gagner à Enzo, qui les a testés, m'avait fait un super bon retour. Je peux vous dire que Soundpit est une marque d'écouteurs qui vaut vraiment le coup. Et là, on est vraiment sur des écouteurs pour les sportifs. Alors côté boîtier, on va donc avoir un boîtier qui va pouvoir recharger vos écouteurs jusqu'à 30 heures d'autonomie. Le boîtier est de couleur noir mat avec en façade des petites LED qui vous indiqueront le niveau de batterie. Et malheureusement, pas de recharge Qi, pas de recharge sans fil. C'est un peu dommage qu'on n'a pas de recharge sans fil. Côté geste tactile sur les écouteurs, on va pouvoir donc tapoter deux fois sur l'écouteur. Alors que ce soit sur l'écouteur droit que sur l'écouteur gauche, si vous tapotez deux fois rapidement, vous allez donc lancer la lecture et mettre en pause sans aucun problème. Si on appuie trois fois rapidement sur l'un des deux écouteurs, on va donc déclencher notre ami Siri ou on déclenchera le Google Assistant si vous êtes sous Android. Alors, lorsque vous allez vouloir passer la piste suivante, vous allez donc poser votre doigt pendant un peu plus d'une seconde et vous allez pouvoir passer à la piste suivante. Ceci, ça va se passer sur l'oreillette droite et malheureusement, ils n'ont pas pensé à ce qu'on puisse faire un appui long sur l'oreillette gauche pour revenir à la piste précédente. Ça, c'est bien dommage. Alors, une des choses super intéressantes avec ces Soundpit T2, c'est que vous allez pouvoir régler le volume. Et pour régler le volume, vous ferez donc un petit tapotement très rapide sur l'oreillette gauche ou l'oreillette droite pour monter ou baisser le volume. À droite, vous augmenterez le volume, à gauche, vous baisserez le volume.
Alors, un des gros avantages de ces Soonpit T2, c'est l'ANC. On a un très bon ANC d'annulation de bruit et on a trois modes d'ANC, le mode normal, le mode transparence et le mode ANC. Et franchement, vous allez avoir un son magnifique avec ces Soonpit T2. Alors sur ces Soonpit T2, on est sur des petits haut-parleurs de 12 mm, on est sur de très bons écouteurs, on aura donc un très bon son clair, limpide, avec de très bonnes basses, Bluetooth en plus 5.0. Vous allez pouvoir passer donc des appels téléphoniques, faire du FaceTime, du Skype. Vous allez vraiment pouvoir avoir des discussions très propres, puisque j'ai testé le côté micro. Alors les écouteurs rentrent très simplement dans leur boîtier. Une fois que vous les avez mis, on peut s'apercevoir que les LED se mettent en marche pour les recharger. Ces Soonpit T2 sont IPX5, donc ils seront compatibles avec la pluie, les éclaboussures. Côté tenue, vous allez pouvoir faire de la course à pied, vous allez pouvoir courir sans problème avec, écouter votre meilleure musique et vos meilleures vidéos comme Vision High Tech en toute accessibilité. Si vous aimez donc le bon son dans vos oreilles, les Soonpit T2 peuvent être une très bonne alternative. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens dans la description. Pensez, il y aura le code de réduction dessus. On va tout de suite passer en mode appairage. C'est parti sur un iPhone. Donc c'est tout simple, avec un iPhone ou avec un Android, c'est comme d'habitude. Vous vous dirigez sur réglage. Touchez deux fois Bluetooth. Vous ouvrez le boîtier. Vous sortez un des Soonpit T2. Bouton. Tout de suite, les Soonpit apparaissent. Vous le validez. Soonpit T2. Connexion en cours. Instantanément, les Soonpit prennent effet sur votre iPhone. Si je fais donc un triple tap sur l'écouteur, Siri, normalement, va se déclencher. Quelle heure est-il ? La surface de votre Soonpit T2 et regardez ce qui se passe. Siri se lance sans problème. Donc un double tap va lancer la musique. Là, je vous fais écouter un peu rapidement. Alors ici, si je lance YouTube par exemple et que je lance une vidéo, voilà, donc ma vidéo est lancée. Et si vous faites donc un petit tap de un peu plus d'une seconde, on devrait avancer dans la vidéo. Regardez ici. Voilà, donc j'ai avancé dans ma vidéo. C'est tout simplement génial. Ça veut dire que grâce à cette technique, vous pouvez donc avancer vos vidéos YouTube sur Vision High Tech sans problème, tout en gardant vos Soonpit T2 aux oreilles. Alors pour remettre les écouteurs, c'est quand même assez simple. Vous les repositionnez devant leur emplacement et ils viennent instantanément se positionner dans leur boîtier. Alors si vous désirez vous-même gagner un cadeau sur Vision High Tech, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne Vision High Tech, à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Et voilà, le tour est joué. Après une grosse roue, les oreillettes Soonpit T2 restent dans vos oreilles. Voilà les amis, si vous êtes régalés autant que moi à faire cette vidéo, qu'à la regarder et qu'à l'écouter, alors surtout n'hésitez pas, mettez-moi le maximum de likes, c'est super important pour la chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez m'encourager, à rejoindre la chaîne comme fan si ça vous intéresse de devenir membre de la chaîne Vision High Tech. Et ici, regardez, une très bonne tenue, malgré donc des roues, malgré qu'on puisse courir. Quoi qu'il arrive, une très bonne tenue des Soonpit T2. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision High Tech bien sûr. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous !